J'avais dit à la pergola à Lumbashi, moi j'ai dit, l'Éternel voudrait m'amener à faire le coup de force. Il m'incite en disant, si tu décides de t'y prendre le pouvoir, décide seulement. Moi j'ai dit, ah. Oui, si je décide, les blancs que vous voyez, ils vont faire. Moi, Mkoumoué, je vais dire à Gérard ici, je lui dis, je vais faire l'aventure. Gérard, vous restez, moi je vais faire l'aventure avec ce Dieu-là. Nous allons, je vais insister les quinois pour marcher, pour aller déloger ces gens. Moi je fais ça. Mais les blindés là, on va les monter comme ça. On va monter, ils ne vont même pas tirer. Ils vont essayer de pouvoir tirer, ça ne répondra pas. Et à ce moment-là, ils vont commencer à fuir. Tous les chauffeurs vont quitter les... Ah oui! Alors moi j'ai dit, Dieu, épargne-moi ça. Dieu seul sait. Moi, je ne l'ai jamais vu partout ailleurs. Hein? L'Éternel Dieu fasse venir les invisibles. Hein? Il les amène dans le combat des humains. Ça. Non. C'est quelque chose de très particulier. Oui. Vous venez ici avec cette armada, donc pour nous intimider afin de nous imposer un étranger. Et un étranger, s'il avait quand même étudié. Mais un étranger, quoi d'autre? Taximan. Mes chers frères, vraiment ça nous fait mal. Hein? Amen. Et plus encore, on fait circuler, même sur les sites internet, les photos où il était garde des corps de Kagame. Ça, c'est grave, ça. Tout ça pour nous humilier. Et moi, j'ai dit, alors les gens vont être arrêtés. On va arrêter le village. J'aurais préféré même moi en tant que Congolais supporter Rubéroa qui est reconnu comme véritablement Tutsi rwandais et qui aimerait être compté parmi les Congolais. Vous comprenez? Parce que c'est de la manière la plus claire. Donc on connaît qui il est, de lequel. Plutôt que de nous amener ce monsieur Laurent Désiré, le débauché, qui nous amène un Tutsi pour venir vraiment nous humilier. Quand vous voyez de la façon dont le complot est monté, donc c'est un peu comme s'il voudrait peut-être effacer toute trace de l'existence de ce peuple congolais. Hein? C'est ce qu'il y a. C'est une décision. Vous sentez dans le langage c'est pas possible. Il n'y a aucun livre où on ait écrit ça. Aucun livre. Juste un livre qui dise, hein, que à un moment donné, et parce que la population n'avait pas répondu massivement, et c'est comme ça que l'Éternel Dieu va être obligé de libérer un peu les morts, les faire venir à la vie pour qu'ils aillent participer au vote. Vous avez jamais entendu parler de cela. Hein?
et les morts qui disent que si vous ne voulez pas, en tout cas, délire cet homme, Mukomboye, nous allons le faire à votre place. L'essentiel pour nous, c'est de pouvoir l'introniser avant que nous puissions rentrer. Donc, nous n'allons pas retourner là où on était, d'où on était venu, avant qu'on ne puisse introniser, qu'on ne puisse placer cet homme sur le trône. Oui. Ce que je vous raconte là, c'est la réalité, c'est-à-dire des visions, des songes, qui montrent que ils ont, Dieu les a libérés, ils ont quitté là-bas, l'au-delà, pour venir. C'est exactement comme les films là dont vous parlez. Donc, ils sont venus, ils ont juré, ils ont dit, nous allons les laisser sur le trône. Ce que vous devez retenir, c'est ça. Si ce n'était pas ça, je crois que les candidats gênants, les candidats qui a dérangé, c'est pas le bon. De tous les 33. Quand vous vous demandez, cette fois-ci, ils ont décidé, la communauté internationale a décidé, mais aussi, de l'autre côté, Dieu aussi a décidé. On dirait à Kanambe que si tu oses, tu vois seulement cet homme-là, pas tous les Congolais, non. Mukongo, il a postulé, n'ose plus postuler. C'est ce qui avait été dit à Tshisekedi, à partir d'Amérique. Si tu le vois postuler, n'ose pas le faire. Si tu le fais, on te dépouille de toute ta puissance. Sache qu'à partir de ce jour-là, tu resteras un citoyen ordinaire. Il est égal au fétiche dont il a été. Et c'est comme ça que on va postuler. Et malheureusement, Joseph, dans la panique, va penser que Mukongwela va me faire découvrir au Kinoa que je suis rendu. Je ne suis pas du Katanga, je ne suis pas leur frère. Et malgré cela, les autres vont l'encourager. Et il va décider de venir m'éliminer. À la date du 24, il ose d'abord entrer. On le repousse. Je crois que tout le monde est là. S'il manque quelqu'un, peut-être c'est une personne ou deux. Il manque aussi les enfants, vos soeurs, les enfants des Faustins, les filles. Elles sont au nombre de cinq. Ce sont vos mamans ici. Mes filles parmi elles qui ont discipliné les commandos. Aujourd'hui, regardez-les. Vous voyez, j'ai des femmes très jeunes, hein, trop enfants, que l'Éternel m'a donné au travers des frères et qui me donnaient ma fille. Elles sont là. Alors, c'est là qui manque ici. Je crois qu'elle est de petites. Elle est mince, une corpulence très. Mais ce sont ces. Vous connaissez les enfants des choses, elles ont grandi, hein, puisque je les ai gardés longtemps. Hein, des filles que vous aviez ici, des enfants des Faustins. Hein.
Elles sont là, aucune n'est mariée. Mais on va les amener peut-être demain ou après-demain, s'il y a possibilité. Si je ne les amène pas, on va les garder chez moi. Parce que quand on avait quitté Montfleury, dans Montfleury, il y avait de l'espace. Ici, maintenant, je les ai casés chez Musée Pierre. C'est là avec ces femmes que vous voyez ici. Avec quelques sœurs de l'Assemblée, ce sont eux qui ont désarmé les policiers. C'est loin là. Alors, inutile de vous agiter, inutile de faire ce que vous auriez pu au moins tout simplement ne pas vous dépenser. Alors, comme l'orgueil de l'homme est toujours au-devant de lui, ils n'avaient pas accepté ça, ils ont postulé et nous sommes retrouvés à 33. Mais je leur dirais que vous n'avez aucune chance. Parce que moi, dès que j'aurai l'occasion de pouvoir sortir, vous verrez. Et surtout, l'éternel Dieu volant, je crois que vous allez voir comment il va, l'éternel Dieu, arracher le pouvoir.